Les mecs, 85 x 10 à ouvrir aujourd'hui, c'est pas rien. En plus, là, je suis en train de voir, on a un 5 joueurs 85 aussi. Pour info, le 85 x 10, c'est les swaps, là, les 10 jetons, les gars. Du coup, on va ouvrir tout ça, les mecs. J'espère qu'on va avoir de la chance. Peut-être qu'on ira faire un tour aussi sur Xbox parce que je dois avoir 20 jetons. Et peut-être qu'on va partir sur les 2 x 84 ou au pire, si on n'a pas assez, c'est pas grave. On fera le 10 joueurs 85, les gars. On est parti. T'as envie de te régaler sur FUT et de te payer tes joueurs préférés? Alors, je te conseille d'aller check IG Vote. Tous les liens et les réductions sont en description. Les gars, ce week-end, j'ai joué avec cette team. Bon, j'ai fait 11-1. J'ai pas joué plus parce qu'il était tard. J'avais la flemme. J'ai fini la coupe Birthday aussi. D'ailleurs, on n'allait pas qu'à ouvrir. On va faire une review vite fait, bien fait, des joueurs que j'ai testés. Ben, y en a 4. Y en a même 5. Gattuso, Nkunku, Marquisio, Bamba et André Ligno. Bon, on va commencer par les plus mauvais. André Ligno, les gars, c'est pas ouf. Après, il était à 2, ça s'explique. C'est pour ça, en fait. Je l'ai trouvé vraiment faible physiquement. Il se faisait tout le temps niquer en profondeur. Bamba, il est vraiment pas mauvais. Les gars, en vrai, foncez, faites-le pour le prix 50 000 crédits. C'est vraiment un cadeau d'EA Sport. Maintenant, vous attendez pas non plus à un crack interplanétaire. C'est un bon joueur. Mais c'est un joueur qui vaut 50K, il va vous dépanner pendant quelques semaines. Ensuite, Gattuso, plutôt fun, intéressant. Maintenant, mettre 5 GT à un MDC comme ça, c'est pas très utile. C'est vraiment un joueur pour le fun. Les 5 GT, c'est vraiment voilà, histoire d'eux, quoi. Après, il est très très bon à la récupération, il est bon physiquement. Un peu petit, c'est dommage. Manque d'agilité et de vitesse. Marquisio, je l'ai trouvé bon. Mais sans plus, il justifie jamais son prix d'1,2 million, les gars. C'est trop cher pour ce que c'est. Mais c'est une carte très sympathique. Et j'ai hâte de pouvoir le faire linker avec des joueurs de Serie A, surtout qu'il y en a des pas mal en ce moment. Et du coup, Nkunku, bah, c'est vraiment le top joueur hein, parmi ces 5. En MC, je l'ai joué, je l'ai trouvé vraiment très très bon. Juste 2 défauts, puissance de tir et l'endurance si tu le mets MC. Il va être amené à défendre, à attaquer et à un moment, il est cramé. Voilà. Ah, est belle. Bien joué, Nkunku. Oh là là! Bah 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 Gattuso, allez c'est bon, cette mécanique elle est pétée. Gattuso c'est 65 ans tir les gars. On a tout ça à ouvrir, donc du coup on se fait un petit best-of. 5 joueurs 85, 2 joueurs 84, 2 joueurs 85. Et puis voilà, on a des petits packs là aussi. Clash équipe, j'ai fait Elite 2. Oh pas mal, Cancelo les mecs. Dans un pack Electrum, ça dit quoi les mecs? Ouais c'est bien, c'est bien. On a deux trucs là qui coûtent. Bon lui on le vend. 5 joueurs 80 plus. Oh ça y est, allez. Danemark s'est éclaté, putain. Les gars, je vous assure que c'est vrai. J'en ai eu 3 fut burzés sur l'équipe 2 et j'ai eu 3 fois lui. Je l'ai dégagé 2 fois, il revient. Parce que je l'ai plus, hein. Je l'ai dégagé dans un SBC. Mais il veut jamais partir. On va ouvrir le pack méga rare. Et c'est animé, les mecs. Et ça va être qui? Milinko? Ouais, Milinko, les gars. Bon, ça peut cacher, hein. Ça peut cacher les icônes. Ça peut pas cacher de fut birthday, mais ça peut cacher des icônes. Putain, c'est merde, merde, pas d'icônes, les gars. Là-dedans, il y a moyen d'avoir des notes. Et puis peut-être la deuxième carte fut birthday, les gars. Ah ben, ça sera animé. Pour Pedro, c'est bien. De Bruyne. Oh, c'est parfait.
91, les gars, c'est une énorme note, ça. Bon, lui, je l'ai pas, c'est sûr. Pas mal, hein, on est bien. Derrière, bah écoutez, c'est redescendu quand même. Mais bon, le 91, il nous met hyper bien. Qu'est-ce qu'on peut faire, là, qui demande 83, là? J'ai peur que si je le jette, il me le redonne. Vas-y, on va te faire plaisir. Allez. Merde, les gars, je vais péter les plombs. J'ai cru que c'était un pack. Mais putain, d'habitude, je fais la feinte en plus. Mais là, j'ai vraiment cru que c'était un pack. Ah, c'est grave. J'ai vraiment cru que c'était un pack. Et en plus, je vous fais la feinte tout le temps. Et là, c'est moi qui me fais feinter, quoi. Deux joueurs 84+. Va-t-on avoir un dernier fut birthday pour valider la prédit? Ah, ça sera animé, Ça va être encore Minico. On l'a pas tège dans Pedro. Les gars, je crois pas. Ah bon, on l'a jeté. Pas mal, on a deux trucs corrects, là. Deux joueurs 85 pour commencer. Oui, allez. Italie, c'est qui? Ah, c'est Pessina. Ah, c'est pas ouf. C'est le 5 GT, je crois. Avec Fabinho, bah c'est propre. C'est pas mal, hein. Joli pack. Ah, c'est le 4 GT. Oh, les connards. Il est pas nul en vrai. Ah non, il doit pas être nul, mais c'est une des moins chères, quoi, tu vois. Je vous ai payé la prédit, et là, on a le 5 joueurs 85. Une petite icône. Fut birthday. Mais non. Régular, vraiment? Mais non. Navas. Oh, c'est décevant. Putain, on a même pas de carte spéciale, les mecs. C'est-à-dire que là, derrière, c'est soit icône, soit rien. Même pas de fut birthday. Ah, tu peux danser, hein, putain. Découvrons ce qu'il y a derrière. Koulibaly. Chejny. Eh, on a trois animes, déjà. Bon, là, ça pue le doublon, les gars. Gundo. Attention, dernier joueur. On a une icône, les gars. On a une icône! Mais je crois que c'est un anglais, ouais. Barnes, on prend, hein. Il est 5 GT en plus, je crois. On prend, les gars, on a une icône, putain. C'est la première fois que je pack une icône. Tu sais, les icônes Coupe du Monde, Totti, Fut Birthday. J'avais jamais eu, à part dans les packs garantis. Barnes, bon, les gars, icône. Icône, mais ça sera pas rouné. Il y a un petit goût d'amertume quand même. Eh, quand même, les gars, on pack une icône, bordel. Putain, ça fait plaisir. Je sais pas, on verra, mais en tout cas, les gars, ça fait plaisir. On pack une icône Fut Birthday, quoi. C'est le truc incroyable. Pack Fut Birthday garanti. Après cette belle icône packée, un petit joueur Fut Birthday sympa, ça serait nickel. Ah, je suis quaisé. En plus, ils l'ont mis 4 GT. Il est même pas 5 GT. C'est dommage, lui, à 5 GT, il aurait été fort. Je pense qu'il a des vrais stats tendrines. Allez, au revoir, messieurs. C'est un gros pack. Bon, dans tous les cas, il met bien. Quoi qu'il arrive, on aura des notes pour les futurs SBC. Apparemment, il y a du très lourd qui arrive, les gars. On a peut-être ça qui arrive, les gars. Un SBC Icon 90+, Prime, Totti, Fut Birthday. Maintenant, à prendre avec des pincettes. Allez, on remet la photo incroyable. On peut avoir un de ces deux joueurs dans ce pack. Hein. C'est pour ça qu'on met cette photo. Bon, il y en a un qui vaut beaucoup plus cher que l'autre. En termes de talent, on est sur deux génies. Voilà. Faut le dire. Bon, faut faire gaffe, il y a 10 joueurs, ça va aller vite. Ok, premier joueur, c'est Navas. Ça sera Fulkrug. Bon, je préfère lui en doublon que Barnes. Et ça sera pas de l'icône, les gars. Ça sera Jorginho. Premier 85. Kostic, deuxième 85. Dybala, 86. Première animation. Ok, Trent, 87. Goretzka, 87. 3, 6, 7. Il reste 3 joueurs, les gars. 3 joueurs restants. Verratti, 87. Attendez, les gars, il n'y a pas de carte spéciale. Il n'y a même pas les... Putain, il y a des cartes de Coupe d'Europe. Heureusement qu'on a pas packé l'icône avant. Bon, les gars, demain, on aura un gros stream à faire. On aura le compte Xbox. Je pense que je pourrais faire les deux packs 84x20. Merci d'être venu, la petite icône Fut Birthday qui tombe. On se dit à demain pour un prochain stream. Et dans la journée, il y aura une vidéo sur YouTube et il y aura peut-être un TikTok aussi. Voilà, enfin même certainement qu'il y aura un TikTok. Donc voilà, hein, tout est en description les gars, hein, Twitch et TikTok. N'hésitez pas à me suivre dessus les gars. Je suis très actif. Allez, ciao ciao les mecs, bonne journée. Bonne journée les gars, à plus.